Petit update du serveur Bedrock. Donc comme vous pouvez le voir, la barre de faction a sauté au profit de la barre de progression de la capture, qui est une info beaucoup plus intéressante et pertinente, étant donné que ce qui intéresse les joueurs, ça va être de savoir quand le prochain point va être marqué. Et du coup, les factions, les points de faction seront décalés sur la droite avec un scoreboard. Ça sera une info un peu moins essentielle, ça prendra moins de place sur l'écran. C'est mieux. À la base, je voulais mettre deux barres de boss, en fait, qui permettraient de suivre les points de la faction qui a le plus de points et la progression de la capture. Mais c'est pas ouf au final, parce que deux barres de boss, ça prend beaucoup, beaucoup de place sur l'écran et ça va être injouable, en fait. Le HUD, il va être trop plein. Et j'ai également bossé sur un système qui nous permet de créer des régions, du coup, qui va me permettre, en fait, de pouvoir gérer la présence des joueurs dans les points et, du coup, quand la progression de la capture arrive à 100, attribuer les points à la faction qui a ses joueurs sur un point, en fait, tout simplement. N'hésitez pas à rejoindre le Discord si vous avez des idées à soumettre pour la création du serveur. C'est toujours intéressant. Moi, je suis pas un joueur de Bedrock à l'origine. Je suis venu pour un peu le défi de la techno. Mais c'est très intéressant parce qu'on a plein de possibilités au final sur Bedrock, c'est cool. Donc voilà, rejoignez le Discord, le lien est dans la description de ce TikTok.